Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser ce couteau. Donc ce couteau, c'est un grand couteau de camp, slash couteau de chasse, slash couteau d'aventure en général. C'est une commande qui m'a été faite par un client et qui fait en fait partie d'un projet assez conséquent. J'ai un étui à faire aussi. L'ensemble du projet va être plutôt challengeant, on va dire. Et ce couteau est censé accompagner la personne en question lors d'une grande aventure, un grand voyage en plein air. Donc il faut qu'il soit très solide, très fiable et qu'il puisse battre tous les records. Donc pour pouvoir produire un excellent couteau, on va choisir un très bon acier. Pour ça, je vais utiliser du N690 Co. C'est un acier inoxydable qui est réputé pour sa solidité, sa résistance, son pouvoir de coupe, et il me semble que dans la description qu'en fait Eurotechnie, c'est utilisé par l'armée, alors après laquelle je ne sais plus exactement, mais autant vous dire que c'est du solide et que bah normalement je mets toutes les chances de mon côté en utilisant cet acier. Surtout que là on va utiliser du 5 mm d'épaisseur, donc j'ai aucun doute sur la solidité du projet à la fin. Allez, c'est parti! Voilà, donc le couteau est trempé, il est revenu des traitements thermiques, c'est Eurotechnie qui s'est chargé de tout, donc aussi bien de la trempe que du traitement cryogénique en dessous, et du revenu. Donc là, il est à 58 HRC, c'est bien pour un couteau de cet acier-là et de cette taille-là. Et donc du coup, maintenant, on va passer aux finitions, on va d'abord affiner tout ça parce qu'il est encore très épais au niveau du tranchant, et ensuite, ce sera le manche, etc. Dès le premier passage sur la bande, j'ai su que ça allait être très, très long. Je ne me suis pas vraiment renseigné sur certaines particularités de cet acier et il y a de bonnes chances qu'il soit résistant à l'abrasion. Il faudra que je refasse un petit peu plus de recherches, mais les bandes en céramique ne voulaient vraiment pas attaquer de façon efficace cet acier.
One eternity later. Couteau de Caen est terminé. Je suis pas mécontent d'être arrivé au bout de la réalisation de ce couteau. Même si le projet est pas terminé, il va falloir que je fasse un étui et aussi une petite pierre à feu. Mais pour ce qui concerne le couteau, je suis vraiment super super content. Pour le manche, on a du chêne, du palmier et enfin du mirabellier qui a de superbes couleurs et de superbes veines. Au final, on a un assemblage qui reste relativement clair. Et au final, avec ce petit intercalaire en palmier et l'intercalaire noir que j'ai mis pour rehausser, on garde vraiment l'alternance claire et sombre qu'on a aussi sur la lame. Je suis plutôt content du guillochage que j'ai fait, même s'il n'est pas parfait. Le design de mon manche est vraiment vraiment top, je trouve qu'il tient vraiment bien en main. On a là aussi plusieurs façons de prendre le couteau. On peut le prendre assez loin comme ça, mais on peut aussi rapprocher vraiment la prise pour pouvoir contrôler un petit peu tout ça. Au niveau de l'acier, je rappelle qu'on est sur du N690 Co de 5 mm d'épaisseur. Tous les traitements thermiques ont été réalisés par Eurotechnie, donc la trempe, le traitement cryogénique et enfin le revenu. Au final, on a une dureté de 58 HRC qui est top pour un couteau de cette taille-là et de cette utilisation. Et vraiment, je suis très très surpris par cet acier qui est incroyablement dur et probablement résistant à l'abrasion, ou du moins mes bandes avaient du mal à l'attaquer. Et je vous parle même pas du calvaire que ça a été pour le poncer à la main. Je pense qu'il va bien tenir son tranchant parce que moi j'en ai galéré pour l'affûter. Voilà, j'espère donc que la vidéo vous aura plu, que comme moi vous adorez ce couteau, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour pas louper les prochains projets. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut !